Et bonsoir à tous et bienvenue sur la console rétro, je suis Jay, je serai votre hôte ce soir comme tous les vendredis. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une agréable semaine et que vous êtes prêts pour ce week-end incroyable en ma compagnie. On va passer tout de suite sur la console de la console rétro. Donc moi j'ai la version Megapie, mais si cette console ou n'importe quelle autre console de la console rétro vous intéresse, vous pouvez utiliser le code promo J10JAY10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Et ça, c'est magnifique. Je vais donc allumer la console. Alors pourquoi j'ai pas d'image? Ah oui, d'accord, j'ai oublié d'allumer la console, désolé. Je vais allumer la console chez moi, et je vais faire une petite transition magique pour que vous puissiez apprécier ce démarrage de console absolument fantastique. Attention, il faut faire un effort, il faut brancher la console, voilà, c'est mieux si c'est branché. Autant pour on va faire une transition magique. Attention, transition magique, c'est parti. Paf, donc on allume la console et cette transition incroyable, le bonheur. Le bonheur à l'état pur. Voilà. Ça, c'est magnifique. Donc, vous êtes habitué désormais. Merci Jérôme, Jérôme Laurent pour le like. Bienvenue à tous sur le live. Bien sûr. Posez-vous tranquillement. On est en mode rétro-suggestion cette fois. Si vous avez envie de proposer des jeux, eh bien, proposez les jeux. Si je les ai, on va les tester, etc. Si je les ai pas, eh ben, je vais essayer, moi, de trouver des jeux. Sinon, on m'a suggéré de faire Metroid. Alors, j'ai grandi, personnellement, j'ai grandi sans la Super Nintendo. Mais il paraît que Super Metroid, c'est un petit peu un incontournable et qu'il faut que je le fasse. Mais vous me faites un peu peur, parce que vous m'avez aussi dit que A Link to the Past, c'était un incontournable. Et du coup, on l'a fait et on n'a pas passé le meilleur des moments. Alors, c'est pas un mauvais jeu, hein, loin de moi cette idée. On a passé un excellent moment sur A Link to the Past, mais il vaut pas le 20 sur 20 que tout le monde lui a donné. Il vaut un excellent 16 sur 20, ça je suis d'accord. Il vaut pas le 20 sur 20, il y a des défauts qui sont un peu trop présents. Le Super Metroid... Combien vous le notez, vous? Salut mon Seb, comment ça va? Combien vous notez le Super Metroid? Vous qui êtes des grands experts en gaming, vous avez tous eu la Super Nintendo parce que vous étiez riche. Combien vous notez Super Metroid? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup, du coup, qu'on le fasse? C'est ça qu'il faut qu'on sache. Bon, il faudrait démarrer maintenant. Ça peut aller à toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as passé une mauvaise semaine, Seb. C'est ça, il faut que vous passiez une bonne semaine, c'est important. De toute façon, on est là pour se détendre, on va se détendre tranquillement. Peut-être un petit Metal Slug pour commencer, pour se détendre. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais peut-être dû allumer la console avant, et le temps de chargement m'a l'air plus long que d'habitude. C'est pas aussi long d'habitude, si? Je me souviens pas. D'habitude, j'allume pendant qu'on lance le live. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas branché le bon chargeur. Manque de ventilation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? T'inquiète, je suis en plein papier. Ah, c'est quoi? C'est l'administratif, c'est ça? Triste. Bon, le démarrage maintenant. On a envie de jouer là, on a envie de lancer un Metal Slug. Ça devient important là. J'ai peut-être mal arrêté ma console le dernier coup, ça peut expliquer. Ça m'inquiète un petit peu parce que ça a l'air trop long. Je sais pas si je la redémarre ou pas. Alors, du coup, comme on a passé une semaine un petit peu pas top, ça serait vraiment bien qu'on termine pas la semaine sur un truc comme ça, un truc pas top.
Slug, c'est très important, oui. Ah, la comptabilité en plus, d'accord. Comptabilité. Ouais. Metal Slug, vous voulez voir la run de Metal Slug. C'est important pour l'entraînement, la physique, c'est le sport. Metal Slug, c'est le sport. Bon, on va redémarrer, hein, du coup, vu que visiblement, on n'a pas le droit d'avoir la console là. Pourquoi j'ai pas la console? Alors le truc qui est intéressant, c'est qu'on a toujours de l'image, alors que c'est éteint. Ok, donc là on va passer un mauvais quart d'heure. Attendez, je vais revenir en transition magique. Hop, les aléas du direct, les fameux. Voilà, on va redémarrer tout entièrement pour avoir la meilleure configuration possible. Parti pour le chargement. J'ai de l'image, je vous montre. Voilà, donc redémarrage depuis le début. J'ai forcé un peu le truc. Bon, à chaque fois que vous allumez la console, à chaque fois vous avez une animation différente. Animation très connue, bien évidemment. Vous avez tous reconnu le démarrage de la PlayStation. Première du nom, comme avant vous aviez reconnu le démarrage des jeux Konami. C'était le logo Konami qu'on avait juste avant, qui est bien sûr détourné pour nous proposer le démarrage de la Recalbox qui se trouve à l'intérieur du coup. Par contre, j'aimerais bien qu'on reste pas bloqué sur ça, parce que là ça me voilà. Maintenant, c'est l'ambiance. Pas d'inquiétude, tout va bien. Vous avez dit Metal Slug, c'est important. Alors, c'est parti. La run de Metal Slug, on y croit. Toujours comme d'habitude, on lance le Metal Slug. Objectif, terminer le jeu en un seul et unique crédit. Ce qui nous autorise à mourir deux fois. Ce qui est pas l'objectif, hein, de mourir deux fois. Mais on peut mourir deux fois. On a le droit. Ouah, c'est très fort. Mission. Par contre. One. Start. Je vais baisser un peu le son. Attendez. Je baisse un peu le son parce que c'est très très fort chez vous. Est-ce que c'est mieux là? Je me suis fait surprendre. Alors du coup oui, forcément j'étais pas forcément focus. En vrai, il faudrait redémarrer la run là. N'importe quoi. Oh là là, je sens que ça va mal se passer quand même cette run. Il y a beaucoup de trucs qui se passent pas normalement. Exemple, lui il a pris le couteau en plein milieu du corps, mais ça l'a pas tué. Pourquoi? On sait pas. Bon, c'est pas grave, hein. Cette première mission, elle est normalement, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bah, c'est ok le son, très bien. Tant mieux, hein. Tant mieux. C'est important que ce soit pas trop fort pour vous. Moi, c'est juste, ça me hurlait dans les oreilles. Et merci Sébastien Letis qui partage le live, oui. Quelqu'un de lucide qui partage le live, c'est quelqu'un qui fait grandir la communauté et qui du coup nous permet de plus rigoler puisque vous êtes plus de fous, et donc plus on est de fous, plus il y a de suggestions. Merci mon Seb pour le like, pour le Pikachu. Évidemment, si on est plus, ça veut dire plus de suggestions, et plus de suggestions, ça veut dire plus de rigolage. Avec plaisir, t'es un amour, merci mon Seb. Trop mignon. Mission.
Bon. Ça, cette première mission ne m'inquiète jamais. C'est toujours la mission 3 qui m'inquiète. Hein. Des fois je meurs mission 2, mais. Ça c'est vraiment quand on joue pas bien quoi. J'allais tuer eux, ils m'ont saoulé. Voilà, quand je vous dis qu'on joue pas bien, j'aurais jamais dû mourir là. Ça n'a aucun sens. Je suis mort sur rien du tout. Je suis mort sur rien du tout. Je suis dégoûté. C'est pas grave. Tant pis, on accepte. C'est la run qui est comme ça. La run est perdue. Mourir mission 2 quand même, c'est lente. Salut Nico, comment ça va? N'importe quoi. J'avais dit en plus, hein. J'avais dit, mourir mission 2, c'est quand on joue vraiment pas bien. Ça arrive jamais, mais voilà. Là, ça arrivait. Ah putain. Ça va toi? Non. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai passé une semaine dégueulasse. Je fais une run dégueulasse sur Metal Slug. On a galéré à démarrer la console. Non, il y a rien qui va. Mais le principal, c'est que vous vous amusiez. Le principal, c'est pas moi. Non, on s'en fiche. Je suis juste animateur, hein. Je suis pas. J'ai même pas pris les pièces, n'importe quoi. Habitué avec les petits poupillons. Oh là là, mais pourquoi il veut pas mourir? Pourquoi ça fait ça? Bon, c'est vraiment pas la bonne run. Je vais avoir le pire pattern avec le boss, c'est sûr. Attention, tout de suite, les pires patterns. Voilà, évidemment, il s'est mis exactement là où il fallait pas. Là, les petites boules, donc ça c'est dégueulasse. Je prends le dégât. Très bien, parfait. On a dit hein, les pires patterns. Voilà. Bon, ça rattrape pas vraiment. Ça rattrape pas vraiment parce qu'en plus on perd un otage, donc c'est à dire que le score est lamentable. Voilà. Donc c'est un peu lente. On accepte quand même, c'est partie du jeu. Et on va mourir là du coup. Vu qu'on est mort mission 2, il n'y a aucune raison qu'on réussisse la mission 3 sans prendre le dégât, mais bon, faut le tester. Je suis mort. Ça a failli mal se passer quand même. J'avais oublié qu'il était là lui. J'attendais l'hélicoptère en fait, j'avais oublié ce passage là. Vieux trou de mémoire. C'est la fatigue aussi, hein. Ça doit jouer. Attention le saut, chaque fois je crains le saut. J'ai paniqué, vous voyez. J'ai tiré une salve alors que j'ai pas beaucoup de munitions.
gun. Okay. Ça va. Oh là là, j'ai vraiment cru que j'allais prendre le dégât. Je panique beaucoup trop, je fais n'importe quoi. Et merci MLKTT pour le like, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. J'ai plus de grenades, faut le faire à la main. J'ai réussi à m'en sortir quand même. Eh ben, c'était loin d'être gagné. Pourquoi j'ai pris le rocket launcher, je sais pas. Je prends des risques. On prend des risques là. Y a trop de risques. Oh là là, mais n'importe quoi! Quel débile! C'est pas légal de faire ça, purée! C'est pas possible d'être aussi fatigant, réussir à buter le boss sans mourir et faire ça. Alors qu'il y a juste à rester baissé, c'est n'importe quoi. Je me déteste. C'est interdit de faire ça. Voilà, voilà, comme ça on fait bien n'importe quoi. Comme ça je peux bien pas revenir, c'est génial. Mais oui. Ça y est, c'est la panique. Pas de panique à bord. Je sais que tu joues comme un mort. Je vais, c'est n'importe quoi. Vraiment. Je crois qu'on n'a jamais fait une partie aussi dégueulasse. Sachant que on a quand même réussi à se rattraper sur le boss. Hein. On a réussi à tuer Mr. T sans mourir. Et après on meurt. Je meurs que sur des trucs cadeaux quoi. C'est ça le c'est une run cadeau. Je l'ai complètement offerte. Ah oui, j'ai plus de grenades forcément. Là maintenant il va falloir le faire manuellement. Ça va être super. Concentration, c'est quand même faisable. Voilà, normalement c'est comme ça qu'il faut le buter parce qu'il faut sauver les otages. Et deuxième dégât. Qui c'est qui va terminer à tuer le boss à la main ? À poil, sans le Metal Slug, et voilà, on a plus de Metal Slug. Va falloir faire manuellement maintenant. Oh là là, quelle galère. Salut MLKTZ, comment ça va? Vraiment, c'est la galère. Regardez-moi ça, là, 5000 points de bonus. Horrible. Et il y a les lives qui repartent en vrille. T'es mauvais, Jack. C'est ça. Bon, je prends pas de risque sur celle-là. Pas de risque démesuré, en tout cas. C'est-à-dire, on va essayer de pas mourir bêtement contre lui, là. Attends, c'est quoi la phrase exacte avec le t'es mauvais, Jack? C'est... Regarde, il dit un autre truc avant. C'est là, c'est la piquette, non? C'est pas ça? C'est la piquette! T'es mauvais, Jack! J'aime me beurrer la biscotte, bien évidemment. Pour moi, vu que ça a mal commencé, t'as droit à une nouvelle chance. Ah, tu crois? C'est bien gentil. Ça, c'est très gentil, très généreux de votre part. Non mais t'inquiète, la mission 4, je vais me rattraper. Bon, je vais la jouer correctement.
Alors, la mission 4, c'est pas compliqué, hein. Faut rouler, hein. Faut rouler sur le jeu. Vraiment, c'est la mission la plus facile normalement. C'est donc aussi celle où tu risques le plus de choses. La mission 4, c'est un peu un jeu de rythme. C'est comme si vous jouiez à Parapa de Rappeur ou à Osu. Personne ne connaît ce jeu. Oh là là, n'importe quoi. Je le vois, je sais qu'il est là le missile. Voilà, la mission 4. Bon, la mission 5, on a perdu, hein. On sait déjà. Avec 0 vie en plus, je verrai pas plus loin que ça. A chaque fois que je joue à Metal Slug, je galère car j'ai du mal. J'ai trop mal à mes doigts et je meurs tout le temps. Ah, ça, c'est parce qu'il faut t'entraîner les doigts, c'est pour ça. Yes, merci, j'avais la ref, du coup, Mikey. Voilà, bah, du coup, je regarde le chat au lieu de regarder le jeu. On est mort là. Comme un caca. Voilà, est-ce que vous voulez suggérer un autre jeu ou est-ce que vous voulez qu'on refasse une run de Metal Slug? Attends, je vais regarder du coup en même temps, je vais en profiter pour regarder ce que c'est la phrase qui dit avant le T'es mauvais Jack. C'est la piquette Jack. Tu sais pas jouer. T'es mauvais. C'est la piquette, c'est ça. Merci, merci Mikey Mike de l'avoir envoyé. Alors, quel jeu vous voulez voir? Est-ce que vous voulez qu'on fasse genre un live Metroid, Super Metroid? Une autre run, nous dit MelkaTT. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Laurent nous dit une autre run aussi. Bon, allez, c'est parti, pour vous faire plaisir. On va essayer de la jouer correctement cette fois, un truc acceptable. Attends, service, merci beaucoup. Une run acceptable, si c'est possible. Allez, on y croit. C'est parti. Le talon. Le pénitent le passe. Le pénitent est humble. Run couteau, non, c'est mort. Pour l'instant ça marche, hein, mais pas de run couteau. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait d'ailleurs ça, la run couteau sur le jeu. Oh, c'est dangereux ça. Pourquoi je prends autant de risques? On croit en toi, c'est gentil. Ça fait au moins quelqu'un qui croit en moi, quoi. Au moins une personne. Si papa, merci. Ah, du coup, attends, t'as regardé Battle Royale, du coup, Mikey Mike? On en avait parlé la semaine dernière parce qu'on avait fait un petit débrief sur Squid Game. Est-ce que t'as pu voir Battle Royale entre temps? Sinon, il y a Hunger Game, hein, mais je le conseille pas. Je sais pas vraiment ce que je vais conseiller. Battle Royale, à mon avis, c'est sera mieux. Déjà dur avec les armes, alors pas au couteau. Je sais pas, au couteau. En fait, tu peux, hein, si tu prends aucune arme, juste et c'est faisable. Hein. Après, est-ce que la run couteau au Metal Slug, ça peut marcher? Parce que tu peux, genre eux. Ah si, à la grenade, à la limite. À la grenade, ça pourrait être toléré. Tu fais une run couteau plus grenade. Interdiction de sortir son arme. Ça, c'est des défis débiles à faire sur Metal Slug. Je voulais aller là-haut mais ça n'a pas marché. J'ai vu Halloween Kills. Alors qu'est-ce qu'il donne ce Halloween Kills? J'ai pas regardé, pas encore. Ah, t'inquiète, prends ton temps. Grenade, le fruit. Voilà, c'est ça. Tu peux te battre avec que des fruits. C'est Fruit Ninja mais sans le katana, quoi.
que au petit couteau. Fruit Ninja au petit couteau et à la grenade le fruit, voilà. Et tu fais une run comme ça, et tu t'éclates. Alors ouais, c'est de jouer correctement celle-là. Pourquoi j'ai détruit l'horloge alors qu'il faut pas le faire. Est-ce que je vais encore mourir comme un caca? Non. Je sais pas pourquoi je voulais le faire au pistolet, mais c'est plus rigolo de faire le shot. C'était le temps de chauffe, hein. Ça se passe mieux là. Bonjour. Mec meilleur, c'est toujours aussi cruel, mais le film est moins bon que le précédent. Comment ça? Ah, qu'est-ce qui te fait dire que du coup c'est moins bon? Qu'est-ce qu'il y avait dans le précédent film que tu n'as pas retrouvé dans ce film-là par exemple? Ou au contraire justement un truc que t'as retrouvé et qui fait que du coup t'as l'impression d'une Reddit. Reddit, pas le site internet, hein. C'est-à-dire on a déjà vu quoi. Ah bah alors. Combien ils sont là? Ils sont deux. Il est où l'autre? Je me suis fait arnaquer d'un otage là, non? Je crois que j'ai l'impression de m'être fait arnaquer un petit peu là. Ah voilà, là ça se passe mieux, là on a une run acceptable. Et là je vais avoir un pattern magnifique, ça va être génial, ça va être la vengeance de tout à l'heure. Magnifique pattern, ça c'est génial. C'est parfait. Oh, je pouvais pas mieux rêver. Vous voyez, quand Loki est de notre côté, ça se passe beaucoup mieux. C'est un bon film pour les fans de la saga. C'est-à-dire que si t'es pas un fan de la saga, tu t'arrives pas à rentrer dans le film, il est pas assez intéressant, c'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'a fait changer par rapport à ce film en fait? Ce qui fait que ce film-là, tu le considères comme étant moins bon que celui d'avant? Alors, ce coup-ci, la mission 3, tout à l'heure on a fait un truc cool. Bon après on a fait n'importe quoi, mais au début on a fait un truc cool. Là par exemple je commence à surjouer, là ça va pas. Beaucoup mieux ça déjà. Ok. Ok. Concentration. Ok.
Ah désolé, hein, je fais moins le fifou, mais j'essaie de la jouer mieux celle-là. Non! Oh là là! J'ai glissé! Ah ça pardonne pas direct, hein, la moindre erreur. Je suis pas du bon côté. J'ai mal anticipé son grand surplus. Il est de l'autre côté. J'ai plus de grenades. Oh ça va être dur là. Ah bah non, il était en train de mourir. Bon c'est pas grave. On a perdu une vie là, on s'y attend à chaque fois de perdre une vie à cet endroit là. Ce qui est chiant parce que ça coûte beaucoup de points en fait de mourir à cet endroit là. C'est assez assez. Bah alors. Mais du coup je vois plus rien évidemment. Pourquoi ça fait ça? Je suis mort. C'est dingue ce qui vient de se passer. Je perds deux vies sur cette mission, n'importe quoi. Oh là là, je suis dégoûté. C'est dingue. Alors j'essaie d'être un peu concentré, hein, mais non. Pas d'entrée, c'est juste un film pour les scènes gore. L'humour est là aussi. Et dans ce cas, il y a, comment ça s'appelle, Destination Finale. C'est complètement le synopsis de Destination Finale, ça. Destination Finale, c'est ça le principe. C'est juste gore gratuit, en fait. Merde, j'ai sauvé un mec. J'avais pas prévu de le sauver, lui. Faut pas que j'utilise trop de grenades parce que j'en ai besoin face au boss. Comme j'ai pas vocation à m'éterniser face au boss. Oh là là, le dégât. C'est mal joué. Ah là 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 là. Voilà, je voulais pas m'éterniser. Mais du coup, on verra quand même pas plus loin que la mission 5. Vu que je suis mort deux fois mission 3 là. Ça c'est compliqué hein. Ça manque d'entraînement, c'est ça que ça veut dire. Le danger il est au début. Il est là le danger. Voilà. C'est juste cet ennemi là. Et après c'est l'autre qui est en dessous là. Voilà. Voilà, le danger c'est eux deux. Après, normalement, il n'y a plus de danger. Voilà, ça faut pas faire, par exemple. Bah alors, pourquoi il veut pas mourir, lui? Tant pis, on va faire sans, alors. Allez, voilà, meurs. Oh là là, c'est mal joué. Oh là là. Voilà. Chauffe pas les otages, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Oh
missiles, on fait gaffe aux missiles, voilà. Ah mince, tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'était la mission 4. La mission 4, hein, je vous ai dit, hein. faut juste le rouler dessus, hein, la mission 4. Avez-vous déjà assuré ce genre de transfert? Ah non, jamais quelque chose d'aussi important. La seule chose que je porte mal, c'est leur divagation. C'est parti dans leur délire. Quoi? Attends, tu m'as copié quoi là? Il va falloir que je lise ton message, est un peu long. Des masques Halloween. Thank you. Attendez, j'ai perdu le contexte. Premier film Halloween sur les meilleurs avec le Dr. Loomis. Je m'en souviens plus. C'est trop vieux pour moi. C'est trop dangereux! Oh là là! Au secours! Putain! Il y avait trop de trucs. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de pas prendre de dégâts là, parce que c'est souvent que je meurs à cet endroit là. Alors, c'était quoi le truc que tu m'as mis comme message? Avoue déjà sérieux ce genre de transfert. Jamais quelque chose de si important. La seule chose que je supporte mal, c'est leur divagation quand ils sont partis dans leur délire. Avez-vous des instructions particulières? Prenez bien que la chose est un monstre et la chose ne doit pas être sous-estimée. Devons-nous pas considérer la chose comme un homme? Vous savez pas ce que vous dites. On entoure une mystère, hein? Oui. Au fond, vous voulez qu'il ne soit jamais relâché? Jamais, jamais, jamais. J'ai pas du tout la rêve. Je sais pas de quoi tu parles. C'est la nuit des masques Halloween, hein? D'accord, je l'ai pas du tout. Du coup, j'ai fait un score nul. Vous avez vu, hein. On meurt mission 5. Alors, qu'est-ce que vous voulez voir comme jeu? Dites-moi. C'est le moment de briller. Où on a besoin de votre interaction. Parce que oui, cette émission est interactive. Vous pouvez donc converser avec moi directement au niveau des commentaires. Je les reçois en léger différé. Puisque je vis, donc, comme je vous dis, environ 10 secondes dans votre futur. Oulipou. Et RIP. Alors je pense que tu veux dire R-Type, à mon avis. Un Street of Rage. Alors il y a un R-Type. Celui que je veux de R-Type. Il y a un Street of Rage. Streets. Ouais, alors généralement je fais le premier parce que c'est vraiment celui qui m'a marqué. Pour moi, le mec Myers, c'est le meilleur serial killer de tous les films d'Halloween confondus. Après Pennywise. Carrément Pennywise. Pennywise, pour toi, c'est le meilleur serial killer. Le mec ne s'attaque qu'aux enfants. Et pour toi, c'est le meilleur serial killer. Ah ouais. Dur. Hercule sur PS, et PS1. Ah, je suis pas sûr de l'avoir sur la console. Là. Hercule sur PS1. Excellent jeu. Je suis pas sûr de l'avoir. Je vais regarder quand même. Voir si je l'ai. Je ne zappe aucune suggestion, hein, mais je vérifie. Je l'ai pas Hercule sur PS1. Mais il est cool, c'est vrai qu'il est cool. Alors, c'est pareil, je vous avais dit un jour que je ferais bien Soul River. Mais là, je suis persuadé qu'on va être arrêté un petit peu trop tôt. Parce que il marche jamais chez personne le Soul River. Street of Rage, donc c'est Mega Drive. R-Type, je l'ai peut-être là le R-Type, je vais mettre R-Type Delta. R-Type Delta sur PlayStation, j'avais bien aimé. Il est là. J'adore Pennywise. Ah ouais.
Mais pourquoi? C'est parce qu'il se transforme en araignée, c'est ça? C'est parce que tu kiffes le fait qu'il ait plein de mains? Du coup, je vais lancer R-Type Delta, qui était donc la première suggestion, on m'avait dit un R-Type. Je vais lancer R-Type Delta sur PSX. Après, ça sera Streets of Rage sur Mega Drive. Après, bah, Hercule PSX, du coup, je l'ai pas, Hercule. C'est dommage parce que c'est un excellent jeu, effectivement. Porsche Challenge, hein, Porsche Challenge aussi. Très joli, Porsche Challenge. Moi, je suis pas un grand fan de voitures, mais Porsche Challenge est rigolo. Magnifique. Donc sur PSX, hein, c'est bien ça. J'ai vu une photo, ça m'avait fait rire. T'avais le clown de ça qui dit tu veux un ballon et t'as Greta Thunberg qui lui répond No, it's the plastic, no, no logic. Effectivement, le clown de ça s'appelle Pennywise. Sinon, Aladdin sur Mega Drive. Aladdin. Aladdin! Ça marche. Mais pas, du coup, pas si long, je le mettrai à la suite. Juste simplement dans les suggestions. Hop, un petit R-Type Delta. Alors, R-Type Delta, pour être bon, il faut jouer longtemps. Comme j'ai pas joué depuis au moins 1872, parce que c'est historique. Non, c'est 1972 d'ailleurs. Mais personne n'aura cette référence, c'est ça. Pourquoi 1972? Parce que c'est historique. Formé en 1972! R-Type Delta, donc il faut un petit peu d'entraînement parce qu'il y a un petit peu de talent à avoir. Vous savez, le talent c'est quelque chose qui se développe. Apprends au gain. Quoi? Alors attends, c'est un peu dangereux, mais je vais regarder. Attention au droit d'auteur. Ah ouais, la musique, c'est ça. Tout à fait, ça veut dire qu'il faut que je coupe le son. Parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? On peut faire un live. Simplement la vidéo, le son sera coupé. Le son sera coupé en plein milieu du live au bout d'un moment. Parce que les droits d'auteur de Aladdin. Merci Seb de m'avoir rappelé. C'est vrai que je le sais, mais je le dis à chaque fois. Seb c'est un vrai taulier, il connaît par cœur. Merci Seb de. C'est Pat Le Guen, Seb, je vais l'appeler comme ça maintenant. Merde. Ah, à force de dire des conneries, voilà, je suis mort. C'est ma régie. Merci, merci Pat Le Guen. Effectivement. Incroyable. Incroyable, Seb. Pas de problème. Trop mignon. Ah là là, mais je me coince dans le coin. Ah là non, apprendre aux gamins qu'un voleur, c'est cool. Oui et non, parce que justement, c'est pas ça que le film apprend. On te montre hein, que t'es un brigand, etc. en volant, mais il essaie d'expliquer pourquoi il vole, que c'est pour une raison très particulière. C'est pas ça la moralité du film, hein. Quand même, heureusement. La moralité du film, c'est d'avoir un cœur pur, quand même. J'espère que t'as bien compris que c'était ça le problème. Que c'est le seul qui peut rentrer dans la caverne. Alors attention, est-ce qu'il y a une métaphore qu'il essaie de draguer Jasmine et qu'il essaie de rentrer dans la caverne, tu vois? Bon, ça c'est autre chose. C'est nous avec notre esprit d'adulte, entre guillemets. Mais sinon, le but c'est que c'est le seul qui peut rentrer parce qu'il a un cœur pur. Voilà. Et qu'il faut pas épouser un homme parce qu'il est riche ou puissant, tu vois. C'est ça la vraie moralité normalement. Rien qu'un morceau de pain. Voilà, j'en profite hein, parce qu'il n'y a pas les droits d'auteur quand je chante comme un débit. Oh là là, mais c'est dingue à quel point c'est difficile, j'avais oublié ça. Il y a d'autres jeux comme ça pour les droits d'auteur. Je vois que vous êtes en train de remercier Seb pour ça. Il y a d'autres jeux effectivement pour les droits d'auteur. C'est le cas pour Crazy Taxi par exemple. Toutes les musiques sont sous droits d'auteur. C'est le cas pour Michael Jackson sur Mega Drive également. Et globalement tous les trucs où vous savez que ça appartient à Disney ou à n'importe quelle maison de disques en fait. À partir du moment où vous savez que ça appartient à un truc comme ça, ben vous savez que vous allez avoir des embrouilles avec les jeux. Pour la diffusion, ça coupe en fait, ça va couper le son,
Ça, c'est le cas où, où Facebook est un peu tolérant. S'il est pas tolérant, ça peut aller assez loin. Ouais. Je joue n'importe comment. Allez, jette un joueur de Isaac, tu sais éviter ce genre de truc normalement. Joueur de Isaac et de Metal Slug quand même. Que des trucs où il faut éviter plein de... Voilà. Et je joue comme un caca, c'est n'importe quoi. Bon après, faut connaître les patterns normalement. Quand tu connais pas les patterns, ce jeu-là, j'y ai pas joué depuis, depuis une éternité, donc forcément... Je ne connais pas les patterns et donc du coup bah ça se voit quoi. Ça se voit que les patterns sont pas connus et que donc bah on meurt. On prend des dégâts à des endroits où on devrait pas prendre des dégâts. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai peur bêtement et voilà. Je tue le boss mais je meurs quand même. Mais Mercule, attention, mais je l'ai pas Hercule du coup. Je sais du coup, effectivement ça appartient à Disney. Donc les musiques de Hercule, pareil. C'est toutes les musiques qu'on a vues, où on a vu les trucs, même le Roi Lion, hein, le Roi Lion c'est pareil. Hein. Que les trucs sous droit d'auteur, hein, tout ça. Alors ouais d'accord. On va essayer de tuer ce boss quand même. Attends quoi, j'ai loupé un truc. La tête de lion de la caverne me faisait flipper, oui, c'est normal. Bah en même temps c'est logique hein. Classe taxi, t'as pas le droit de diffuser la musique, tout à fait. Tu m'as tué avec la caverne de Jasmine. en vrai il y en a plein dans plein de Disney comme ça, il y a plein de trucs. D'ailleurs je crois que tu peux. Attends, c'est dans Disney ou pas? Je sais plus si c'est dans Disney. Non c'est pas dans Disney, c'est dans Astérix. Il y a un moment, tu vois une quéquette. Il hein. y a un zboob qui se balade dans Astérix. Dans Aladdin aussi il me semble hein. Dans Aladdin il y a une quéquette à un moment. Je crois. Est-ce que je confonds pas? Je crois que je confonds avec Astérix. Je sais plus. Je crois que dans Blanche-Neige tu peux voir un téton. Mais il n'y a que des trucs comme ça en fait. Il y a que des sous-entendus pour les adultes. En fait, si vous voulez, les films Disney sont conçus comme ça. Ils sont écrits avec plusieurs niveaux de lecture pour que les enfants puissent s'amuser et pour que les adultes qui viennent avec leurs enfants, hein, du coup, parce que les enfants vont jamais venir tout seuls, ce qui est logique, puissent quand même avoir de quoi manger. Donc, si c'est la caverne de Jasmine, voilà. D'ailleurs, on devrait dire Yasmine en vrai. Je sais que dans le film ils disent Jasmine, mais c'est Yasmine, il me semble. La prononciation. Je suis encore vivant, je sais pas comment j'ai fait. Est-ce qu'il n'y a pas genre un super pouvoir? Je sais plus comment on fait les super pouvoirs. Attention, attention, super pouvoir. Abracadabra. Voilà. Ça a eu l'air de marcher. Je vais pas du tout flipper, c'est faux. C'est une illusion d'optique. Ça m'a coûté 4, continue, tout va bien. Alors, je vais relire tous les messages que j'ai ratés. Dire qu'ils se sont inspirés de Tom Cruise pour dessiner Aladdin. Ah ouais, vraiment? Je savais pas cette anecdote à MLKTT. Merci pour pour l'info. C'est quoi le délire avec cette époque avec les vaisseaux? Quoi, les... Bah, je sais pas. Les années 90, j'imagine, non? Qui se rappelle du jeu sur Nintendo? C'était un papillon dans la galaxie. J'avais bien aimé. Un papillon dans la galaxie. Sur Nintendo. Il y a Galaga, il me semble que c'est un truc avec des insectes. Ça peut être ça.
C'est Astérix nous dit 7 pour la quéquette, d'accord. Ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça. Le logo de Disney, ça devrait être un symbole de dollar. Attends, Blanche-Neige, une meuf qui vit avec 7 mecs, elle devait prendre cher. Cher la chanteuse, tu veux dire. C'est ça, hein, la manière dont tu l'as marqué. Ouais, effectivement, elle vit avec 7 mecs, mais c'est... En fait, le truc qui rend l'histoire encore plus dégueulasse, c'est que Blanche-Neige, elle a 17 ans. Blanche-Neige, elle a 17 ans. Le consentement, tout ça, c'est oublié. Elle vit effectivement, elle est perdue dans la forêt, elle se fait recueillir par 7 mecs. Au bout d'un moment, elle est dans le coma, il y a un mec qui lui fait un bisou quand même. C'est un autre délire. J'adore la BD d'Aladin, je connais les chansons par cœur. Ah oui, c'est pour ça que t'as reconnu le... Rien qu'un morceau de pain. Bon, Astérix et les Indiens, je crois. Sur la VHS, j'avais galéré. Avec leur embobinage, ils sont tombés sur la microseconde. On voit ça. Effectivement, il y a une frame. Il y a une frame où tu vois une claquette. Ah, c'était ça, c'était Astérix. Histoire d'être bien sûr de ce que j'avais vu. À 8 ans, j'étais pas prêt pour ça. Ouais, bah non, parce que ça, c'est du coup référence. Hein, bon, alors, c'est une post-référence, mais dans Fight Club, on te parle de ça justement. Dans Fight Club, on te dit que y a des images subliminales où t'as un gros chibrax qui est inséré au milieu des films. Et ça avait déjà été fait dans Astérix dans un dessin animé. Il disait que justement, c'était le délire de Tyler Durden de faire ça, que de mettre des gros chibrax au milieu des films pour enfants. tout le monde l'a vu, mais personne n'est sûr de ce qu'il a vu. Bayala. Alors attendez, on va regarder. Je vais faire la suite des jeux, vous inquiétez pas. Hein. Vous avez dit Bayala sur NES. Et Papillon, t'avais dit. Si, je sais pas si c'est des jeux qui existent. Ça me dit rien. Je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Galaga qui a des insectes dans l'espace. N-O-P. Papillon, j'ai pas. Et après l'autre, t'as dit comment ça s'appelle? Bayala. Bayala, j'ai pas non plus. Je connais pas. Ça me dit rien du tout. Alors, Streets of Rage. La Mega Drive. La Mega Drive, c'est la meilleure console de tous les temps, toutes consoles confondues. La Mega Drive. Donc, Streets. On fait lequel, le premier? C'est un jeu avec des papillons. Bayala, je l'ai pas sur, mais pas sûr. Je l'ai pas trouvé sur NES en tout cas. Si c'est un jeu qui existe, il est pas sur NES. En tout cas pas dans ma liste. C'est pas un jeu que je connais. Il y a une rumeur comme quoi le Chibrax à la base, c'est celle de Brad Pitt. Ah, peut-être bien. Mais en fait, il y en a plusieurs des images subliminales dans le film. Je sais pas s'il aurait fait ça. Peut-être bien. Mais il y a une rumeur aussi qui dit que dans le film original de Basic Instinct, le moment où Kim Basinger décroise les jambes, normalement on voit. Dans l'image, dans le film original, on voit. Après, ça a été censuré plein de fois, mais normalement, on le voit. On voit qu'il n'y a pas de. Voilà. On voit des choses. On voit ses amygdales. Non, c'est faux. Streets, donc. Lequel, du coup? Le premier? Ah, ils sont là, les trois là. Pour moi, le meilleur, c'est le premier, donc je peux pas vous dire. Après, les graphismes ont été changés, mais pour moi, le premier est meilleur. Sharon Stone, j'ai dit Kim Basinger, alors c'est Sharon Stone, c'est ça. Des os, autant pour moi. C'est vrai en plus. Alors, celle-là, tiens. Je suis pas sûr de savoir quelle version, parce que je sais que j'ai une version qui est modée avec Sonic.
C'est un papillon qui tirait dans, c'était dans la galaxie, mais honnêtement, non, je sais pas du tout. Là, ça, comme ça, ça me parle pas. Je te dis, à part peut-être Galaga. Mais du coup, c'était sur arcade, Galaga. C'était pas, je crois pas que ça a été adapté sur NES. Et effectivement, c'est un truc où tu butes des chenilles et compagnie. Elle est où la musique? Elle est où la musique? Voilà. Voilà, ça qu'on veut. Bon, désolé, je m'ambiance tout seul, mais ça c'est... Je kiffe cette musique là. On l'entend pas suffisamment longtemps, c'est pour ça que je voulais la mettre. Alors, bah non, je vais laisser ça comme ça. Spécial attaque. Ah bah non, du coup, faut faire ça. Attaque. Attaque, jump. Spécial attaque, ok. Attention, c'est parti. Bon, je joue tout le temps avec Blaze normalement. Est-ce que je joue avec, avec Blaze? Sachant qu'il y a notre cher ami Dr. Pargo qui l'appelle Andromanov parce qu'elle habille tout le temps en rouge, donc du coup. Est-ce qu'on joue avec Andromanov ou... J'ai jamais joué de ma vie avec Adam. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on teste Adam? Du coup, ce serait marrant de pouvoir jouer avec Adam et de manger des pommes dans le jeu. Juste pour pouvoir faire la blague, vas-y, on va faire ça. Juste pour pouvoir faire la blague de manger la pomme d'Adam. Voilà. C'est une blague nulle, hein, mais j'ai choisi le personnage juste pour ça. Meilleure musique de tous les temps. C'est faux, il y a Castlevania par-dessus, mais... Alors, ouais, alors j'ai fait n'importe quoi au niveau des touches. Le mapping, je suis pas bon. Je vais relancer. Et on va quand même rejouer avec Adam. Test Adam. Oh, le test Adam. Je trouve que test Adam ça marche aussi. Hein. Parce que c'est pas le test Adam, c'est pas genre, genre une patte pour coller les dentiers. Il y a un truc comme ça. Incroyable, test Adam. Alors c'est parti. C'est un personnage qui est extrêmement, extrêmement sage. Du coup, c'est la sagesse d'Adam, donc la dent de sagesse. Bien joué. Ça, c'est beau. Allez, faut les trouver toutes, là. On va se battre contre Eve, tu crois? Un truc comme ça. Voilà. Coup de genou dans les joyeuses. Ouya! C'est quoi son... Ah d'accord, c'est un saut en sort tourné. D'accord. Fallait que je sache. Ah ouais, d'accord. Pas très fort, Adam. Ou alors je joue pas très bien, peut-être. Le perso. Ça se passe pas très bien. Il va me falloir une pomme, Adam. Voilà. Tiens, Adam, ta gueule. Vous étiez pas prêt avec celle-là. C'est pas polydon. Ah, je sais pas. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle test Adam, hein, il me semble. C'est pour ça que je croyais que t'avais fait exprès. Voilà. Va falloir calibrer le truc un peu là. Viens par là là. Tiens, voilà. Batte de baseball. Batte de baseball. Une autre pomme d'Adam. Et voilà. Comme ça la blague on l'aura fait trois fois. Je pense que c'est bien. Hein. Comique de répétition. Blague nulle. On est bon. Normalement c'est valide.
Salut Mums, comment ça va? La meuf avec les fouets, moi elle me saoule dans ce jeu. Ah, les pires c'est les c'est celles qui sont habillées en noir. Parce que du coup, tu leur mets une baffe, elles se mettent par terre, tu peux plus les taper. Donc ouais, c'est assez... Mais il avance jamais, il avance à deux à l'heure ce perso. Vraiment, Adam, il se traîne. Oh là là, mais je me fais dérouler la gueule. Allez, vas-y, viens. Elle est morte. J'avais pas besoin de ce couteau de toute manière. Petit poulet. Petit poulet. Petit poulet. La Cave Story sur Super NES. Il est sorti sur Super NES, Cave Story? Ah bon? C'est pas un jeu indépendant qui est sorti genre en 2000, en 2010. Un truc comme ça. Aïe, je crois pas. Hein. Il avance vraiment à deux à l'heure ce perso, il m'a fatigué. Je comprends que je joue jamais avec. Hein. Il se traîne. Les ennemis d'Adam sont coiffés comme des balais brosses. Les ennemis d'Adam sont coiffés comme des... Ah, les punks, ouais. Ça, c'était les punks des années 90, c'était une autre époque. Hein. Allez, là y est, je l'ai. Je vois où tu veux en venir. Et bah les brosses à dents, ouais, c'est ça. Oh là, elle est bonne, elle est valide. Il a, ouais, ou alors attends, qu'est-ce qu'il a dit là il est tout seul, Adam. Actuellement il est tout seul. Donc on peut dire qu'il est solitaire comme un loup. Est-ce qu'on peut dire qu'Adam c'est avec les loups? Faut que tu les as attaqués, désolé. Ouais, non, t'inquiète, ça marche. Elle est valide. Je valide. On les prend toutes là. Et merci JB Guan pour le like, pour le Pikachu. Bien vu, Jay, merci. Je suis demandeur. Allez-y, envoyez toutes celles que vous avez. Je kiffe. Tant qu'on est vivant, il faut balancer les meilleures vannes. Par contre, il avance vraiment à deux à l'heure, hein. c'est fatigant. J'essaie d'en trouver d'autres, hein, mais vous avez une meilleure réactivité, je pense, que moi. Allez, tiens, ramasse ta dent. Ça marche pas. Ah, dans 10 ans, ah, celle-là est un peu tirée par les cheveux, il aurait fallu lui mettre un peu de contexte. Ouais, non, dans l'au-delà, ça aurait pu marcher, tu vois, pour faire celle-là. Histoire que, tu vois, je viens de le tuer, punchline. Ah, ça marche. Jess Harold, ça va et toi? La forme, mon JB? L'autre pomme d'Adam, donc. Oh là là, magnifique ce petit retourné. Petite vie. La bière, voilà, tiens. Oh là là, c'est bon. C'est clair que la masse ramadan. Oh là là, elle est magnifique celle-là. Plus 40 points pour Gryffondor. Je valide tellement. Elle est géniale. En fait, je cherchais avec un. Il se traîne à chaque fois, je cherchais un truc. T'as réussi à me placer une blague. Perfect. Ultime. Yes bébé, si. T'as droit à un cookie, c'est tout, juste un cookie. Tu rigoles quoi, elle a le droit à bien plus que ça. Il y a du lourd ce soir, mais grave.
Mais tellement. Moms, insère-toi. On te fait une place, insère-toi avec plaisir. Oh là là. Ça, ça pique. On cherche les pires vannes qu'on peut faire. Le personnage s'appelle Adam. Donc on cherche les pires vannes avec Adam. On a fait brosse Adam. On a fait Adam ta gueule. On a fait la pomme d'Adam. On a fait le test Adam. Ouais, le test Adam, ça marche un peu tiré par les cheveux parce que ça va être testament, tout ça. Adam l'au-delà. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait Ramadan, hein, donc du coup, combo ultime. Normalement, on devrait avoir un jingle hein, pour cette meilleure blague. Voilà. Oh là là! Diantre. Je suis en train de me faire exploser. Vous êtes beaucoup là. Ouli poupi poupi les bou. Putain, j'en ai marre. C'est pourquoi le 11 man show. Bah. Ah, dans 2 ans. Voilà, histoire de reprendre la blague de tout à l'heure, tu vois. On va monter un groupe, exactement. On va monter une troupe de comiques. One. C'est quoi One? Pourquoi One? Je suis pas au niveau. Attends, mais si, rejoins-nous. Adam One. One Adam. Non, je l'ai pas. Si y a une bague, je l'ai pas chopé encore. Ce boss-là avec Adam, c'est impossible. Avec Freddy les griffes de la nuit, là. Tiens, t'as oublié ça? Non. Et voilà! Heureusement qu'il a un peu de force, cher Adam. Ah! Je tombe! Alors, on va peut-être pas faire le jeu en entier. On a fait le tour des blagues. Du coup, je peux peut-être avancer sur les suggestions. Je sais que Hercule PSX, je l'ai pas, donc on va peut-être pas. Après, il y a quoi? Il y a donc Porsche Challenge PSX et Aladdin sur Mega Drive. Faut peut-être avancer un petit peu. Encore. Faire quelques niveaux. Si vous avez. Si vous voulez chercher encore des blagues sur Adam. Sinon, on passe à la suite. C'est tant qu'on a les blagues, on continue. Et tant qu'on a des continues aussi. Aïe! Évidemment, j'ai réussi à lancer le couteau pile entre les mecs. Genre, ils étaient tous les trois en face de moi et j'ai réussi à lancer le truc entre eux, quoi. Aucun problème. Tiens, mange mon coude. Petit German suplex là. Bam! Rip la colonne vertébrale normalement. Oh là là, il a vraiment les pires coups ce gars là. J'en reprendrai plus jamais je crois. Donc là les blagues faut les faire maintenant. Je suis mort. Il a la dent dure. Ça marche effectivement. Elle est valide. Ah ouais, on avait fait ça aussi, Moms, qui arrivait après. On a fait Adam avec les loups aussi. Et on a fait Adam et Ève, hein, logique. Et c'est la base. Je comprends pas. Pourquoi il avance? Ah mais en fait, il a les jambes de Terminator, c'est pour ça qu'il avance pas. Je comprends tout. En fait. Pourquoi je peux pas taper là-dedans?
Si je peux, évidemment. Tiens. Aïe. Elle a plus de détente avec son fouet. Allez, ça dégage. Tiens, prends ça, mec. J'ai pas envie de laisser le poulet là. Pourquoi tu veux pas lancer le couteau? Évidemment, tu lances le couteau. Mais que quand il y a pas d'ennemi. Idiot bête. Il a aucun neurone, Adam, par contre. Quoi? La barre de fer pour les shooter, c'est dissuadant. C'est ouais, c'est pas très efficace. Et il arrive pas à se relever. Génial. Pire saut. La mère, elle mouille pas dans Street of Rage. La mère de qui? Non, je peux pas me noyer, si c'est ta question. Là, y a aucun problème, regarde. Je me baigne, mais tranquille. Je vais encore mourir. J'ai jamais joué aussi mal que depuis que j'ai ce perso. Voilà. Encore mort. Oh. Tiens. Mais la colonne vertébrale, sans déconner, elle a plus de cervicale là. Je vais être dissu. Ah non. Ah. Bien, ouais. Je l'avais pas vu. Désolé. Dissu. Ah non. Bien joué. Je suis passé à côté. Honte à moi. Tiens, y'a Rocky Balboa là. Balboa donc. Eh naze. Pardon. Mais plus pas des excuses à la communauté. Aïe. Ok. Terminé. Je triche ce boss là, je le triche tout le temps. Mais bon, il est déjà mort donc. Bizarre qu'il ait jamais fait un film Streets of Rage avec JCVD. Est-ce que Jean-Claude Van Damme serait le meilleur perso à mettre dans le rôle de Axel, tu veux dire? Je sais pas s'il est assez taillé. C'est vrai que ça aurait pu. T'as raison, ça marche bien. Mais est-ce que ça marcherait pas mieux avec. Comment il s'appelle? Lungston. C'est quoi son nom déjà? Le mec qui joue Drago. Ce serait parfait dans le rôle. C'est quoi son nom en entier à Draco? Il s'appelle Lungston, un truc comme ça. J'ai plus son nom. Ça m'intéresse. Ah voilà, là on va jouer. Maintenant. Viens dès là, les gens. On rigole. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, ça a pas marché. Allez, poubelle. Ça dégage. Je vais la même hein. Voilà. Vraiment je vais pas me prendre la tête hein. Allez. Et là il y a une vie. Voilà.
Vraiment la coiffe, bas les brosses des mecs, c'est abusé, c'est dégradant, joli. Ça c'est beau, il est en forme. Enfin, il est en forme le Mikey Mike. C'est quoi, t'as sorti un dictionnaire de rimes avec Adam, c'est ça? T'es en train de tricher en vrai. Oh là là. Il y a une nouvelle expression maintenant que les jeunes ils disent c'est badant, donc ça pourrait marcher aussi. Ou c'est malaisant, ça marche pas malaisant, mais je sais qu'ils disent c'est malaisant, mais y a pas le jeu de mots. Mais j'ai horreur de ce mot. Badant, c'est pareil, j'ai horreur de ce mot. C'est franciser un mot. Tu convertir en adjectif, ça n'a aucun sens. Oh là 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 là! Qui vous êtes beaucoup? Pourquoi? Le petit poulet. Paf! C'est bon. Dolph Lundgren, merci. C'est ça, je cherchais. J'arrivais pas à trouver, j'avais Varg en tête, ce qui n'a absolument aucun rapport. Mais oui, effectivement, il marche tellement bien en Axel. Faudrait mettre un petit Will Smith en Adam ou Denzel Washington, non peut-être pas. Jamie Foxx, peut-être pas non plus. Comment il s'appelle Wesley Snipes, voilà. Petit Wesley Snipes. Will Smith il ferait trop de blagues, je suis pas certain qu'il a pas l'air d'être rigolo Adam là. Wesley Snipes, ça pourrait marcher. En plus on garde l'époque années 90, tu vois. Et du coup faudrait mettre à la place de Blaze, qui c'est qu'on pourrait mettre comme actrice. Angelina Jolie du coup. Je suis pas sûr. Que ça marcherait Angelina Jolie. Je suis au pire endroit. Je l'ai vu trop tard. Oh là là. Abusé. Vous votez pour qui pour le casting? Gros skin le boss. Ouais du coup bah qui c'est qui pourrait y avoir en... Je pense à... Merde comment il s'appelle Merde, comment il s'appelle Oh là là. C'est la mort. Il reste 2 points de vie. J'ai juste un coup de poing à lui mettre, il est mort. Mais il va me buter quand même. Tiens. Voilà. Megan Fox pour Blaze. Megan Fox, elle est un poil jeune, elle est pas dans la même de la même génération de films. Ça pourrait effectivement Megan Fox. Mais du coup dans les stars des années 90, Philippe Etchebest dans sa boss. Celle-là elle est bonne. Ça marche bien, effectivement. N'importe quoi. Vous êtes fous. Mais ça marche bien. Et là du coup le petit sbire là, avec les cheveux orange, ça serait qui? Ça serait John Caruso. Ou merde comment il s'appelle le réalisateur de film là, Ron Howard. Ok, y'a rien qui marche. Vraiment, c'est difficile à contrôler comme perso. Hein. Et là, les petits boss rouges, on pourrait mettre qui comment il s'appelle celui qui joue dans Crying Freeman ou dans The Crow. Merde, c'est quoi le nom de l'acteur déjà de The Crow? Ou Lorenzo Lama à la limite.
Vous vous souvenez de Lorenzo Lamas? Ça vous parle? De Gordon Ramsay. Mais non, mais Gordon Ramsay, il ressemblait pas. Alors que Philippe Etchebest, ça marchait vraiment bien. Oh là là! Le quadruple fouet dans la tronche. Il a bon dos, Adam. Oh là là, mais j'arrive pas à l'esquiver, il se traîne tellement là. Ça marche pas. Là, du coup, ça serait Pamela Anderson pour elle. Elle a la bonne tête là, qui va bien. Il est fou. Et les mecs à cheveux roses là, qui sait que ça pourrait être? L'actrice qui faisait Spike. L'acteur qui faisait Spike dans Buffy. Brandon Lee. C'est le même? Brandon Lee s'appelait le mec qui jouait dans The Crow? Ou dans Crying Freeman? Salut Benoît! Comment ça va? Le rousse c'est Ron dans Harry Potter. Ah ouais, effectivement, il est un peu jeune. Du coup, comme il s'appelle déjà, l'acteur qui joue Ron. Non, il y a Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. Après, on a Emma Watson et on a... J'ai zappé son nom. J'ai oublié comment il s'appelait. Le close, c'est Brandon Lee. Je suis mort. Pamela, ah, ça y est, les cœurs. Je suis mort juste devant un poulet et je prends le poulet alors que je suis full life. Faut-il être un gros débile? Oui. Brandon Lee, je le connais dans Rapid Fire. Ah ouais? Non, pourquoi? Pourquoi tu joues comme ça? Comme Stallone là. Là, c'est Stallone de toute façon. Il n'y a pas d'autre. Il y a personne d'autre que tu peux mettre à cet endroit là. Il est encore vivant. Le cheat. Voilà. Vous avez dit que j'allais le tricher. Autant mettre Clara Morgan, mais quoi? Attends, mais on veut juste tourner un remake de Streets of Rage. On veut pas tourner un... C'est pas un porn hein, qu'on veut faire. Enfin, même si elle fait plus de porn, hein, mais... Oh là là. Pamela Anderson, elle a pas tourné officiellement dans un porn. C'est juste qu'il y a une sextape qui a tourné, quoi. Qui du coup a été officialisé, mais comme Paris Hilton si vous voulez. Paris Hilton c'est pas une actrice. Il me souffle dessus, c'est game over. Et voilà. Terminé. C'était Streets of Rage Mega Drive. Il reste donc Porsche Challenge et Aladdin Mega Drive. On a le temps, on est tranquille. Rupert Green, merci Mike. J'avais zappé. Rupert Green, c'est effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai raté d'autre comme message? Les Brandon Lee, là, vous avez tous dit. La détente du pied. Pied abusé. Ah ouais, mais je saute de ultra loin, c'est pour ça. Effectivement, j'avais raté le. Je pleure à chaque fois dans The Crow, un de mes préférés. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, dans The Crow, qu'il y a un cascadeur qui est mort en fait. Il me semble. Hein. Dans la scène où. Est-ce que j'ai le droit de spoil le film? Il y a la scène où il meurt, où il se fait tirer dessus. En fait, il y a un cascadeur qui fait cette scène-là. Et il a vraiment pris une balle et il est vraiment mort en fait. Il me semble. Hein. Peut-être une légende urbaine. Elle est dans les calendriers, c'est ça, maintenant c'est une vendeuse de calendriers, Clara Morgan. Alors, la suite des jeux, donc, Hercule PSX, on a vu que je l'avais pas. Par contre, Porsche Challenge, peut-être moyen. Par contre, Porsche Challenge, c'est là, voilà. Je suis allé ultra loin, mais c'était là, en fait. C'est Brandon Lee qui est mort. Ah oui, donc c'était pas le... Donc il est vraiment mort, c'était pas un cascadeur, c'est vraiment lui qui est mort. Lis mon message plus haut, alors attends. The Crow, Brandon Lee, le fils de Bruce, est mort sur une tragédie de tournage à cause d'une balle restée dans le canon d'un pistolet. Voilà, donc c'est...
C'est ce que j'étais en train de dire du coup. Mais bon, moi de souvenir c'était juste un comment s'appelle un cascadeur, enfin juste un cascadeur. C'était un cascadeur, c'était pas l'acteur. Mais il me semblait bien qu'il y avait ça. The Crow, c'était pas une série aussi. Si, ils ont fait une série avec The Crow. Avec un mec qui se transforme en corbeau, ouais. Alors attends. Il y a une histoire aussi avec Jessica Alba. Comment ça s'appelait ça aussi? Jessica Alba dans la nuit là avec des corbeaux. J'ai oublié comment ça s'appelait. Angel, non, c'était pas un truc comme. Non, pas Angel. Night. Non, je sais plus, j'ai oublié comment ça s'appelait. Je suis trop vieux pour ces conneries. On va faire un contre-la-montre. Alors, on joue avec Dan, Rachel, Beat, Nikita, Marco, Takabo. On va jouer avec Rachel. Bonjour Rachel. Elle a une voiture violette, évidemment, je suis obligé. Difficulté normale, oui. Déjà difficile. Déjà, c'est difficile en facile, donc. L'actu rappelle ça. Comment ça, l'actu rappelle ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça que je suis triste à chaque fois. Ah, t'es triste pas à cause du film, en fait, t'es triste à cause de l'acteur. Alors attends, je cherche les boutons. J'ai trouvé le klaxon. Comment on change la vue? Voilà. La voiture est magnifique. Comment on freine? C'est où le frein? Ça y est, j'ai trouvé le frein. Alors, il y a peut-être deux freins. Il y a peut-être un frein à pédale et un frein au frein à main. J'ai oublié de freiner. Alors oui, c'est faut que je retrouve les contrôles. Ah ouais, ça freine frein à main en fait. Je crois que j'ai trouvé quand même. Ok, donc ça devrait être ça. Carré donc. Dark Angel, ah oui, donc il y avait un truc avec Angel. Merci, merci Mikey Mike. Dark Angel. Sydney Fox aussi. Hein. C'était pas le meilleur moment pour être adolescent à cette époque-là. Avec Sydney Fox aventurière, Xena la guerrière. Oh là là. Et Dark Angel et Alias. Mauvaise période pour l'adolescence. Alors oui, quand je prends un accident, j'appuie sur le klaxon, c'est comme ça. C'est parce que j'ai paniqué. Je gère. C'est de la tôle froissée, c'est rien. En détail. Je suis en train de gérer de fou là. Frein à main. Ah, le frein à main il est extrêmement efficace par contre. Un acteur Alex Baldwin, alors ça doit être Alec du coup. Je crois tuer une assistante aujourd'hui sur un tournage du film par accident. Ah bon? Xena et ses bras de bonhomme. Ah mais du coup t'as pas regardé la série correctement, Nico. C'était pas les bras qu'il fallait regarder, c'était les cuisses. T'as pas compris? C'est pour ça. Xena m'a fait passer des purs samedi après-midi. Voilà. Et la petite assistante là, avec Hercule. Comment s'appelait l'assistante de Xena? C'est pareil, hein, dans Buffy, il y avait Buffy contre les vampires et il y avait. Comment elle s'appelait Charisma Carpenter. Et Willow. Les mêmes cuisses que Chun-Li, exactement. Ah ouais, il y avait du bon cuisseau. Hein. C'est bien d'avoir de la force dans les cuisses. Ça permet de soulever des trucs. Alors, on va rester concentré sur la route parce que du coup, voilà, dire des bêtises, ça me fait me prendre les murs dans la dent. Une histoire de boucler avec Streets of Rage. Oh là là! Est-ce que c'est normal de jouer aussi mal? Je crois pas. Hein. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il le fait exprès. Pas du tout.
savez, comme dans les pubs Facebook pour les jeux mobiles, t'as toujours une pub Facebook où il y a un jeu mobile qui est ultra simple et le mec joue comme un gros débile. Ben là, c'est pareil. Pour vous donner envie de cette magnifique console, je joue exprès comme un gros débile. Comme ça, vous dites, mais attends, mais je peux jouer mieux, c'est sûr. Code promo G10, hein, bien évidemment. Pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Enfin, pour de vrai, c'est une vérité, par contre, le code promo marche vraiment. Et la console, vous avez la même que moi, là. Donc avec les mêmes jeux. Je gère. Je vais essayer de battre mon propre record. Je gère. Ah, je gère plus. Ça y est, je regère à nouveau. Merde, je gère plus rien. Là, je me suis explosé, voilà. Je gère. Chez. Je gère plus. Il est derrière. Je le sais. Enfin, il est derrière. En fait, c'est moi qui suis derrière. Mais je suis derrière moi-même, mais... J'ai battu mon propre record. C'est bon, je m'arrête là. Je voulais me battre. C'était ça l'objectif. Dragon, c'est l'histoire de Bruce Lee. Je l'ai pas vu ce film. Il y a, pas aussi. Il était une fois à Hollywood aussi qui parle de Bruce Lee. Je l'ai pas vu ce film. Il paraît que c'est bien. Les dessous de Palm Beach et son générique très. Ah oui, effectivement, il y avait ça. Les dessous de Palm Beach. Je me souviens, il y avait Melrose Place aussi. Alors, c'est pas trop le même délire, mais les dessous de Palm Beach, il était le générique était. Un peu sexy. Souvent c'était l'heure d'aller se coucher. Hein. Ouais. Ce jeu, je le kiffe trop le souvenir à l'époque. Salut Rodolphe. Excellent jeu. Hein. Le Porsche Challenge. Et surtout, moi à l'époque, là maintenant, maintenant on a vieilli et maintenant on a des tas de trucs avec en mode PS3 et compagnie, PS4, PS5, avec des graphismes sur fou. Mais ça, Porsche Challenge, c'était un des plus beaux jeux à l'époque hein, sur PSX. Hein. GRS, tu gères, ah oui, gère, effectivement, je gère, je gérerai du coup. Dimanche, c'était Walker TCS Ranger, autre ambiance après le poulet frites. Le poulet, oui. Il mettait les pieds où il voulait, c'était souvent dans la gueule. C'était Gabriel, la pote de Xenon, merci Gabriel, magnifique. Voilà, ça m'a fait passer des purs samedis après-midi. Ce qu'il fait les samedis après-midi, mais grave. Et après, il y avait la trilogie du samedi. Avec Alias et Dark Angel et on s'amusait bien. Hein. Mais est-ce que tu passais ton des purs premiers samedis du mois après-midi? C'est ça, c'est ça la question. Bon, c'était Porsche Challenge. On va jouer à Aladdin sur Mega Drive. Alors qu'est-ce que du coup, vu que Aladdin Mega Drive, on est bloqué à cause des droits d'auteur. Est-ce que j'ai la possibilité de désactiver le son? Mais juste la musique, parce que les sons, il n'y a pas de problème. C'est juste la musique qui va poser problème. Est-ce que j'ai la possibilité de désactiver dans le... Pardon. Dans le jeu ou pas? Les droits d'auteur! Les droits d'auteur! Voilà, terminé. Je vais t'offrir un jeu où il n'y a pas de musique. Dis-moi si t'aimes, je te mets une musique perso par-dessus. C'est parti. Attention à la musique. Yes, merci, merci Seb pour le rappel. J'ai mis ma musique à la place. J'ai coupé la musique, comme ça on garde les sons. Et j'ai mis ma musique. Comme ça on est pas bloqué par... Voilà, il y a les bruitages quand même. Le jeu est pauvre. Moi j'ai pas, j'entends pas la musique du coup... J'entends pas la musique par-dessus. Enfin, la musique que je vous ai mise. Vous, il y a que vous qui l'entendez. Du coup, j'entends que les FX, en fait, que les sons de quand je chope les pommes et petits coups de couteau là. Et du coup, le jeu fait très très pauvre. Normalement, c'est quoi la musique à ce moment-là là? Je me souviens plus. Faites place au prince Ali. Je crois que c'est un truc comme ça.
Bande de vénards, décachez pas ça, et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez acclamer, à courir la superstar. Un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Venez adorer l'idole, Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Je crois que c'est un truc comme ça, je me souviens plus. Merci Pat Le Guen. C'est vrai, j'avais oublié cette affaire. Merci Pat Le Guen. On l'entend pas non plus. Vous entendez pas quoi? La musique que moi j'ai mise. Vous entendez pas la musique du jeu, mais c'est normal. Mais vous entendez la musique que moi je vous ai mise. Richard Darbois, ouais, incroyable Richard Darbois, une voix magnifique. Richard Darbois qui double le génie donc, entre autres. Mais vous connaissez très très bien sa voix, puisque c'est aussi lui qui fait la voix d'Indiana Jones dans Indiana Jones 3 et 4. Même si vous considérez pas que Indiana Jones 4 existe, mais il fait Indiana Jones 4. C'est également lui qui fait Danny Glover dans L'Arme Fatale. Et il a fait énormément de voix, hein. C'est une grosse voix de notre enfance. C'est également lui qui fait la voix de NRJ. It Music Only, voilà. Ça devrait plus vous parler déjà. Et dans la version originale, Aladdin, c'est Robin Williams. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, en fait, ils étaient tellement sûrs qu'ils allaient avoir Robin Williams en tant que Aladdin. Si vous regardez son visage, là on voit pas très bien parce qu'il est calé sur un vase, mais le visage du génie d'Aladdin est calé en fait sur le visage de Robin Williams. Mais je peux rien acheter en fait là si. Combien j'en ai des joyaux? 7. Je peux acheter une vie. Voilà. Je savais pas pour énergie. Ah quand même. La voix off de énergie. Ultra connu. Alors par contre. Ah ouais, mais du coup j'ai désactivé la musique. Oh, je suis dégoûté. Parce que je voulais vous faire écouter la musique du bonus stage. Bonus stage sur Aladdin, la musique elle est pas sous droit d'auteur et elle est magnifique. Tant pis, j'ai que des pommes. La voix de notre jeunesse, exactement. Robin Williams, c'est un génie aussi. Ouais. Là, vous voyez là sur le visage du génie. Là, moi, je regardais pas sur le niveau bonus, mais si vous voyez le visage du génie dans le niveau bonus. Alors non, c'est ça le niveau bonus. Dans le truc où là, il y a une musique géniale. Faudrait que je la fasse à la bouche, mais. Je l'ai même plus en tête. Mais la musique est trop bien à ce niveau-là, mais je peux pas vous la faire écouter malheureusement, parce que je peux pas choisir sur quel niveau je mets la musique et sur quel niveau je ne mets pas la musique. Ce qui est bien triste. C'est en bas que ça se passe, je crois. Ah, bah j'avais pas appuyé sur le bouton. Je crois bien. Robin Williams, effectivement, c'est un génie. Pur génie. Ça, ce passage-là... Ah non, c'est le désert. Ah oui, il y a des trucs secrets. Il faut que je vous montre. Trucs secrets. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Je vais vous faire un tour de magie. On va aller là. Attendez, c'est pas là. Aïe. Si, je crois que c'est ça. Aïe. Et maintenant, si je reviens, il y a de vie. Voilà. Ça, c'était le premier tour de magie. Mais il y en a un autre. Je vais vous montrer ça. C'est là. Vous voyez là les petites oreilles de Mickey? Donc c'est pas juste un truc pour rigoler en fait. Enfin c'est pour rigoler quand même. Il y a un caleçon et les oreilles de Mickey. Mais on peut interagir avec. C'est genre si je me mets là. Non attendez, là. Il faut qu'en fait que quand il avance sa tête, il faut qu'elle se mette dans les oreilles de Mickey. Ça fait une vie. C'est cool. Hein. Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Et d'ailleurs, je me souviens même du code de ce jeu. Je pense que vous en souvenez tous. Est-ce que vous vous souvenez du code pour passer de niveau dans ce jeu? Pour aller au niveau d'après. Très facile. Là, il y a un panneau stop si vous voulez aussi. Très très facile le code pour passer de niveau. Je vous laisse quelques minutes pour me répondre.
Et vous avez le droit de me dire non, hein, ça sera plus facile, comme ça je vous donne la réponse. Si vous savez, on fait. Si vous savez pas, je vous le dis. Aïe, je vais mourir par contre. Ah non, j'ai récupéré de la vie entre temps. Eh bah super. C'est pas 3615 Ula le code. Ah le petit coquinou. Tu nous le dis à chaque fois, mais j'ai oublié. Le petit coquinou de 3615 Ula. Effectivement, code Ula. On le connaît tous, hein, le code Ula. Vous savez pourquoi c'est Ula? Parce que c'est quelque chose qui vous manque. Il vous manque Ula. Bref. Voilà. C'était ça le code. Donc, le code dans Aladdin. Je vais essayer de finir le niveau normalement. Et après, je vous explique. On va aller jusqu'au niveau. Je sais pas, du tapis volant par exemple. Parce que le tapis volant, c'était bien relou comme niveau. Ah, si, c'est bon. Je vais mourir de décès. Écrabouillé. Je me souviens plus de la musique qu'il y a dans ce niveau par contre. De base. Non, je sais plus. Regardez le visage là. Vous voyez pas qu'il y a il y a une ressemblance avec Robin Williams? C'est totalement fait exprès. Hein. Les toilettes. Incroyable, il y a des toilettes pour génie aussi ici. Ah bon? Ah bon? Fin du niveau. J'ai réussi à finir sans mourir. J'ai gagné plein de trucs, c'est cool. Alors, le code. Vous avez oublié le code, je vais vous expliquer. Donc là, on est de retour à Agrabah. Le code. Vous appuyez sur Start. Vous faites A, B, B, A, A, B, B, A. Et vous entendez ce petit son. Et voilà, vous avez gagné. Du coup, on peut faire tout le jeu comme ça si on veut. Attention, verdict. A, B, B, A, A, B, B, A. Je m'en souvenais. Très facile à se souvenir ce code-là. Marquons. On va aller jusqu'au bout du coup. Je pense pas que je verrai le boss de fin. Mais on va essayer de voir au moins le dernier niveau quoi. Comme ça on s'arrête tranquillou là-dessus. Alors attendez. Merde, c'est pas celui-là. Je voulais le niveau avec le tapis volant. Le niveau avec le tapis volant, c'est celui-là. Au moins faire celui-là parce que celui-là il est rigolo, il est impossible à faire. Voilà, regride, c'est celui-là. Tac, quelques petits essais. Pareil, il y a une musique ultra cool là normalement. Pourquoi je peux ramasser aucun fruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux ramasser aucun fruit. Ah, c'est peut-être parce que j'ai bugué le. Bah oui, mais j'ai des pommes. Je pense que je suis plein de pommes. Pour ça. Faut suivre les indications des mains des génies. Et je crois que j'avais triché le jeu aussi à un moment en me mettant genre là. Et je pouvais tout tricher. Je teste là pour l'instant. Je crois que ici c'est suffisant. Ah non, faut être au-dessus, voilà. Ça passe, ça va passer. Non, au-dessus. C'est pas passé loin ça. Ouais. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Au secours. Aïe. Ah, je me suis pris le gros caillou dans la tronche. Ça va pas. Sur Mega Drive, c'était ABBA, ABBA. AA, BBA. ABBA, ABBA. On va le passer. Il n'y avait pas une gruge avec le tapis volant? Si, la gruge elle est là, par là, là. Mais je crois que ça marche pas. J'avais réussi à le faire une fois en me mettant par là, mais c'était surtout sur la fin du niveau. Mais ça marche pas tout le temps. Vous voyez? Là j'ai réussi à esquiver deux trucs, mais ça marche pas tout le temps parce que si genre le caillou il est au milieu, ça marchera pas. Mais là, vous voyez, je fais sans les mains. Il y a des chances que je meure aussi. À un moment.
Mais ouais, c'était ça la gruge. La gruge, c'est tu te mets pile à cet endroit là et du coup mais là je vais mourir là. Voilà. C'est tu peux juste y a que ce truc là que tu peux pas éviter. Tu peux faire le bug quoi. Faire le bug. Ah, c'est vrai que j'ai un don pour trouver les bugs. Genre celui-là c'est pas un bug hein, je pense pas que ce soit un bug. Je pense que c'est faisable en fait tout simplement. Mais faut juste éviter quand il te met la double main là, il faut que tu l'évites en fait, y a pas d'autre solution. Et si je me mets bien là normalement, c'est tranquille. Voilà, ça j'ai pas. Voilà. Là je l'ai foiré. C'est pas grave. On va aller voir le niveau d'après. Qu'est-ce qui s'est passé? Inside the lamp. Ah bah je l'avais passé. Non, je suis mort et ça a passé le niveau directement parce que c'était trop dur. Voilà, je vais tricher, je vais jusqu'au bout. Quitte à tricher, autant y aller quoi. Palace du Sultan. Ah, je sais plus. Si je crois qu'il y a encore un niveau après. La stream après Jay. Je pense pas. Très honnêtement, je pense pas. C'est vrai que vous m'avez demandé déjà, mais je me sens pas ouf de faire un autre stream après. Je vais déjà aller manger et je crois pas que ce soit extrêmement pertinent pour moi. Alors. Je sais plus si c'est ce niveau là ou si c'est après le boss. Est-ce que j'ai gagné là ou est-ce qu'il y a le boss? C'est la fin. Donc faut faire ce niveau. Aïe. Donc ce niveau là c'est le palais du sultan. Ça rigole zéro comme vous pouvez le constater. Mais le boss rigole vraiment pas du tout. Aucun humour. Tiens come on. On va essayer d'aller voir le boss quand même. Aïe. Aïe. Il faut des checkpoints. Oh, les piquants à chaque fois. Balance-moi des... Et voilà. C'est bon. Je vais faire des triches. Voilà. Aïe. Plus beaucoup de vie. Aïe. Plus du tout de vie. Est-ce que je vais réussir à arriver à un checkpoint avant de mourir? Rien n'est moins sûr. Le checkpoint. C'est bon, on peut mourir tranquille. Pas sûr que ça puisse. Mais si tu vas live, mais non, je vous ai dit c'est compliqué. Je vais acheter que des villes et wish ils me servent à rien. Je peux acheter la. Comment ça sold out? Quelle arnaque. Parce que je vous dis, hein, j'ai pas passé une très très bonne journée, je suis un peu fatigué, faut que je mange aussi. Ça c'est un problème. Que vous mangez pas ou vous mangez devant l'écran, donc ça va. Mais moi, je me suis pas nourri depuis une éternité. Du coup, c'est vraiment ça que vous voulez? Vous voulez que je meure de décès, d'inanition? Il faut que j'aille me sustenter, moi aussi. J'ai le droit. C'est un droit fondamental. Je peux pas être là tout le temps à vous divertir. Jafar, ouais, on essaie d'aller voir Jafar, effectivement. Un bon Isaac, ça va détendre. c'est vrai que Isaac c'est réputé pour être un jeu de la détente. Aïe, il y a de la vie en plus ici. J'essaie d'aller voir Jafar. C'est ça que j'essaie d'aller faire. Il faut que je récupère des pommes, c'est important. Parce que les pommes, c'est la seule arme contre Jafar. Parce que oui. Jafar est allergique aux pommes. Il faut le savoir. C'est comme ça dans ce jeu, Jafar est allergique aux pommes.
faire des tourbillons, mais ça marche pas du tout. Et les pépés, les pépés, les pépés. Le Vlad Jafar. Alors Jafar, il y a beaucoup de choses. Faut lui balancer des pommes, parce qu'il aime pas ça. Et quand on a plus de pommes, et ben c'est dangereux. Voilà, et au bout d'un moment, quand il en a marre, il se transforme en serpent. Voilà. Et là, pareil. La galère est réelle. Parce que là, faut avoir la rythmique. This is the rhythm of the night. Non, ça n'a rien à voir. J'ai fait cette musique parce que j'ai dit la rythmique et que j'ai pensé Eurythmique et que ça n'a rien à voir. Parce que c'est Corona qui chante cette chanson. Et donc là, voilà, je manque de pommes. J'avais pile le bon compte, c'est incroyable. C'est qui le taulier? Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter sur ce magnifique Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeur. Dis-moi princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Y'a pas de droit d'auteur, parce que je fais un joli cover. Bref, voilà, on va s'arrêter là, il est pile l'heure, on arrive à terminer Aladdin. On a triché bien évidemment, parce que c'est impossible de le terminer aussitôt normalement. Mais voilà. Par contre, le père de Jasmine, quel bon coup. Pardon, qui quoi? C'est que ça bouffe un jaoui. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Qu'est-ce qu'est en train de faire le père de Jasmine, c'est ça? Bah, si tu te rappelles du dessin animé, il s'est fait hypnotiser et tout ça. Il peut rien faire actuellement. Il a été transformé même en je sais plus quoi. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, dans le dessin animé, vous pouvez voir quand Raja, je crois que c'est le nom du tigre de Jasmine, Raja, à un moment donné, il se fait transformer en un petit chaton par Jafar, il me semble. Je sais plus si c'est par Jafar ou par le génie. Au moment de sa transformation, sa tête se transforme en Mickey. C'est très rapide, donc il faut être très attentif. Mais voilà, sa tête se transforme en Mickey. Quand il est sultan, il passe son temps à jouer, etc. Ah bah voilà, il est sultan. Comme c'est très connu, hein. Les sultans sont des idiots, les sultans sont des cons, ils sont consultants. Voilà, c'est tout. Sur cette mauvaise blague, on va s'arrêter là. Je vais vous faire des bisous. On se retrouve vendredi prochain pour tout ce que vous voulez, rétro suggestion si ça vous dit, ou un jeu en particulier si vous avez envie. Je rappelle que si cette console vous intéresse, il y a une seule adresse, la-console-retro.fr pour obtenir cette magnifique console, et vous pouvez avoir une magnifique réduction si vous utilisez, je vais y arriver, le code promo J10, J-A-Y-1-0, puisque vous allez avoir 10% de réduction sur votre commande, et ça c'est assez incroyable pour être notifié. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, on se retrouve vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous comme d'habitude, profitez de votre week-end, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, des bisous.